Merci Madame la Présidente et je remercie la Commission de m'avoir invité à cette audition. Je vais alors, je crois que je dispose d'un temps limité, donc je vais essayer de contenir mon propos dans la 15 ou vingtaine de minutes qui m'est allouée. On puisse échanger. Bien sûr. Alors je vais entrer dans le vif du sujet tout de suite. J'ai vu que votre commission travaillait sur la question de l'évitement de l'impôt. Et il me semble qu'en premier lieu, il est nécessaire de faire un petit peu une étude de la terminologie qui est employée, puisque ce terme d'évitement de l'impôt est relativement nouveau. Traditionnellement, on évoque la fraude ou l'évasion, ce qui paraît à peu près synonyme, ou l'optimisation, et j'ai vu que nos amis canadiens identifiaient l'optimisation à la planification. Ils parlent, eux, de planification fiscale. Mais le terme d'évitement de l'impôt, lui, apparaît aussi, et d'ailleurs, on le voit apparaître, semble-t-il, au Canada également, qui semble avoir une réflexion assez poussée sur cette question, se définirait d'après l'approche canadienne, telle que je l'ai comprise, comme une sorte de catégorie intermédiaire entre la fraude et l'optimisation, qui viendrait en fait de l'abus d'optimisation. Donc on aurait trois catégories finalement, celle de la fraude, qui serait l'ensemble des procédés illicites pour se soustraire à toute ou partie de l'impôt. On aurait l'optimisation ou la planification fiscale, qui serait l'utilisation des procédés licites pour se soustraire à l'impôt. Et entre les deux, cette catégorie un petit peu fourre-tout, informelle, qui serait constituée de stratagèmes inacceptables ou abusifs de transactions qui contreviennent à des dispositions spécifiques pour réduire l'impôt en respectant la lettre de la loi mais en contrevenant à son esprit. Donc une catégorie assez difficile à caractériser. Alors, bien qu'il y ait eu déjà cet effort de typologie, je m'en tiendrai, moi, à une autre approche, toujours du point de vue terminologique. C'est-à-dire que je considérerai dans mon propos que l'évitement de l'impôt n'est pas une catégorie spécifique, mais regroupe l'ensemble des pratiques ou des techniques qui visent à éluder l'impôt, qu'elle soit licite ou qu'elle soit illicite. Pourquoi cette approche et pourquoi ne pas introduire cette notion d'abus? Parce que cette introduction d'un concept flou me paraît limiter la réflexion que l'on peut avoir sur le rapport à l'impôt aujourd'hui. En ce sens que elle se situe dans le cadre d'une approche que j'appellerais rationnelle légale ou positiviste, c'est-à-dire qui consiste à opposer le régime légal légitime à un régime illégal illégitime avec une ligne de partage entre ces deux catégories qui serait indéfini, dont le curseur serait perpétuellement mobile et qui simplement servirait à passer de l'un à l'autre sans qu'on sache toujours très bien comment et pourquoi. Donc je préconiserais plutôt une approche différente que j'appellerais pompeusement, pardonnez-moi, hypothético-déductive, ou plus simplement une approche critique de cette question de l'évitement de l'impôt, qui tend à déplacer
le champ d'analyse, ou plutôt à augmenter la profondeur de champ de celle-ci. C'est-à-dire que je voudrais régler la focale en quelque sorte sur, non pas sur l'avant-scène, mais sur l'arrière-plan, pour dépasser ce dilemme classique que j'évoquais entre fraude et optimisation. Parce que ce dilemme, il est uniquement descriptif et performatif. C'est-à-dire qu'il montre une opposition entre le droit et les pratiques, et il incite à rechercher les moyens de contourner les contournements en fixant une règle juridique d'une autre nature, c'est-à-dire en ayant recours à cette notion d'abus dont je parlais, avec toutes ces imprécisions. Ceci afin de neutraliser les effets pervers de la règle brute initiale. Je crois en effet que la question n'est plus de savoir comment empêcher une règle de droit de produire en pratique un effet inverse de celui auquel elle est censée parvenir, en introduisant une contre-règle qui l'empêche de produire justement cet effet indésirable, mais d'analyser les conditions de faisabilité d'un système dans lequel on pourrait faire correspondre les intentions avec la réalité. Donc mon propos va porter principalement sur, ou essentiellement même, sur cette question de faisabilité des, je dirais, des pratiques, ou des, plus exactement, de la recherche d'une contre-règle qui viendrait neutraliser les effets pervers de la règle. Ceci suppose de déterminer d'abord quelles sont les intentions. L'approche positiviste part d'une hypothèse unilatérale ou moniste, si on veut employer des grands mots, à savoir qu'il n'existerait qu'une seule situation possible, qui est celle de la soumission égale de tous les contribuables à la règle, en l'espèce la règle fiscale. Or, cette approche trouve dans une perspective beaucoup plus sociologique qui est la mienne que juridique, elle trouve très vite ses limites. Parce qu'elle élimine par principe toute autre hypothèse, et notamment celle qui supposerait qu'une illégalité n'est pas forcément illégitime, et qu'un dysfonctionnement au regard du droit, par exemple, peut constituer un mode de fonctionnement systémique qui est nécessaire à d'autres équilibres, notamment politiques, économiques, sociaux, etc. On peut observer facilement, par exemple, que l'État lui-même organise les échappatoires à la règle fiscale. Les niches fiscales, extrêmement nombreuses, sont des manières de créer un rapport illégal à l'impôt. Les zones franches ont le même effet. On peut trouver aussi tout un ensemble de règles dérogatoires, de zones de défiscalisation onshore. Je pense par exemple à certains États américains comme le Delaware qui profitent en quelque sorte du système fédéral pour créer des législations qui permettent de créer des niches globales au sein du territoire américain. On peut créer aussi, comme en France, une limitation au droit de poursuite, c'est-à-dire ce fameux verrou de Bercy qui interdit à l'autorité judiciaire de s'autosaisir en matière fiscale, sauf à trouver une astuce par le biais du blanchiment de la fraude fiscale. Donc les choses ne sont déjà pas si simples en droit positif, puisque c'est l'État lui-même qui est le premier à organiser les contournements, les échappatoires à sa propre règle. On peut également citer comme exemple que, ou comme illustration, le fait que
En règle générale, alors bien entendu, je simplifie peut-être un petit peu abusivement, mais je crois que ce que je dis est quand même fondamentalement vrai, qu'on ne lutte jamais directement contre l'évitement fiscal. Si éventuellement on lutte contre la fraude fiscale, c'est-à-dire contre l'illicite pur, avec les réserves que je viens d'indiquer. En revanche, on s'aperçoit que à un autre niveau que le niveau purement juridique, celui de l'application de la loi fiscale ou pénale, les moyens de lutter contre l'évitement fiscal sont des moyens indirects. On cherche à agir sur l'environnement, sur la périphérie des pratiques, mais pas sur les pratiques elles-mêmes. Par exemple, on va agir sur les règles de transparence fiscale. On va inciter ou créer des dispositifs d'échange automatique d'informations qui vont permettre de cerner les optimiseurs ou les planificateurs abusifs ou les éviteurs fiscaux, mais on ne va pas lutter directement contre la fraude fiscale. Alors il y a de bonnes raisons, bien entendu, notamment du fait que les mécanismes de fraude fiscale sont très largement des mécanismes transnationaux, et donc la juridiction des États en dehors des États-Unis, qui ont un régime à part de ce point de vue-là, la juridiction des États s'arrête plus ou moins à leurs frontières, et donc qu'ils sont obligés de passer par ces moyens indirects pour pouvoir lutter contre l'évitement fiscal. Mais il n'empêche que c'est une première approche qui nous permet de voir que les États eux-mêmes ne sont pas si déterminés que cela dans la lutte contre l'évitement fiscal. D'où, je crois, la nécessité d'une autre approche critique que j'indiquais en commençant mon propos, qui part donc d'une hypothèse, qui est celle qu'un dysfonctionnement n'est que relatif au champ dans lequel on l'observe. C'est-à-dire que ce qu'on peut considérer comme un dysfonctionnement, par exemple l'évitement fiscal dans le champ du droit fiscal, en réalité, à un autre niveau, n'est pas du tout un dysfonctionnement. Je ne veux pas dire par là que ce serait simplement un contournement criminel. Ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos est au contraire de dire que l'échappatoire à la règle est une fonction du système lui-même. Et ce système, c'est en fait aujourd'hui celui de la globalisation. Ça a été à l'origine celui de l'internationalisation, quand les premiers paradis fiscaux ont été créés, mais aujourd'hui c'est celui de la globalisation. Donc il faut essayer de penser autrement. Et à cet égard, je vais faire, me le pardonnerez, un petit détour, mais j'y suis obligé si je veux pouvoir développer mon propos jusqu'au bout. Je crois qu'il faut se situer dans ce qu'on appelle l'histoire longue. Et puisque je vais parler d'histoire longue, je vais me référer notamment à Braudel, à l'historien Fernand Braudel, qui expliquait que le capitalisme, en fait, n'était pas du tout l'économie de marché, c'était même au contraire l'organisation du contre-marché. Pourquoi ? Parce que il a existé à la naissance du capitalisme une sorte de dualité entre pouvoir et puissance, le pouvoir étant celui des autorités légales des États qui se constituaient, et la puissance étant celle des forces économiques et financières. Et l'État moderne s'est créé sur ces deux pieds, c'est-à-dire sur une alliance entre le pouvoir et la puissance, en tout cas en Europe et dans les pays occidentaux. Et toute l'histoire du capitalisme est l'histoire de cette alliance entre le pouvoir politique et le pouvoir économique ou financier, chacun s'appuyant sur l'autre. C'est-à-dire que le pouvoir politique s'appuyait sur les moyens
qu'ils pouvaient obtenir du pouvoir économique ou financier. Et le pouvoir économique et financier utilisait ce besoin de puissance qu'avait l'État pour partager ce que j'appelle le monopole de l'illégalité légitime. C'est-à-dire que je crois que tout le monde connaît bien sûr le concept de Max Weber sur le monopole de la violence légitime, qui serait pour lui la façon de caractériser l'État. Je crois qu'il faut élargir ce concept en disant que l'État n'a pas simplement le monopole de la violence légitime, il a aussi le monopole de l'illégalité légitime. Alors ça peut paraître paradoxal, mais c'est en réalité extrêmement logique, puisque si l'État est celui qui édicte la norme, il est nécessairement au-dessus de la norme, puisqu'il peut transgresser la norme, ne serait-ce que pour la changer. Or, l'État moderne a deux facettes. Il a une première facette qui est celle que je viens d'indiquer, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de changer la norme, donc de se placer au-dessus de la norme qui émane de lui. Et il a aussi, il lui a toujours été reconnu, un pouvoir d'agir en dehors de la norme, au moins de facto. Le droit de la guerre, avant qu'il soit qu'on légifère dessus, mais même, je dirais que la guerre, même avec un droit, échappe très largement à l'appréhension par le juriste, les services de renseignement, etc. Aujourd'hui, d'ailleurs, on constate que de plus en plus, ce droit ce privilège ou ce monopole de l'illégalité légitime se restreint. On contrôle les services de renseignement et on poursuit à peu près tout conflit armé se traduit par un procès en crime de guerre, crime contre l'humanité, crime contre la paix, etc. Donc on s'aperçoit que le monopole de l'illégalité légitime des États est aujourd'hui en voie de réduction très forte. Et que cette alliance dont je parlais dans le nouveau capitalisme financier qui caractérise la mondialisation a changé de nature. C'est-à-dire que les États modernes se trouvent dans une nouvelle alliance, cette fois-ci avec un capitalisme financier dans lequel le rapport de force s'est inversé. Et dans lequel même on peut penser que la puissance est elle-même productrice du pouvoir. C'est-à-dire de la règle, de la norme, ou en tout cas d'une certaine règle, d'une certaine norme, qui est au-dessus de la norme étatique. D'où toute la difficulté et toute la contradiction de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui pose la question de la faisabilité des mesures, des contre-mesures d'évitement de la norme fiscale. Puisque, en réalité, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a une double légitimité. On a une légitimité à la fois de la norme fiscale et une légitimité de l'évitement de la norme fiscale. Ces deux légitimités peuvent entrer en conflit à certains aspects, mais elles sont aussi constitutives de notre ordre mondial ou mondialisé, de notre ordre globalisé. Et donc, on est au confluent, à l'interface aujourd'hui, entre ces deux logiques. Une logique des États modernes qui sont celles des peuples, des populations, qui demandent et qui se scandalisent de voir qu'il existe une nouvelle légitimité à d'autres niveaux auxquels les peuples n'ont pas accès dans le cadre de cette nouvelle alliance entre les pouvoirs politiques et les puissances économiques et financières qui se traduisent par une sorte de tension, une tension accrue entre une exigence de plus en plus forte de la part des populations vers une restauration de la règle fiscale comme mode de lien social, et d'un autre côté, une globalisation, une mondialisation, dont la logique impose en réalité une inversion des légitimités en matière d'édiction des normes.
Donc, c'est pour ça que je crois que nous sommes aujourd'hui dans une très grande difficulté, parce que je ne vous ai pas parlé du tout, peut-être l'attendiez-vous, qu'en tant que magistrat, je vous parle de questions extrêmement concrètes, pratiques, sur les moyens qu'on pourrait avoir de lutter contre l'évitement fiscal. J'ai utilisé mon autre casquette d'essayiste et de chercheur que je possède à côté de ma casquette de magistrat. Simplement pour conclure, si vous voulez, que les techniques, si on voulait les employer indépendamment de tout ce que je viens de vous dire, elles seraient en réalité extrêmement simples. Je vais vous en prendre une toute facile. Les paradis fiscaux, qu'est-ce que c'est que les paradis fiscaux ? Ce sont en fait des écrans. Je crois que Christian Chavagneux, que vous avez reçu, parlait d'écrans de fumée. C'est exactement cela. Un paradis fiscal, c'est un ordinateur qui s'interpose entre des utilisateurs et le système financier. Vous n'avez pas un centime d'euro ni un cent de dollar qui soit stocké aux Bahamas, à Saint-Kitts ou dans n'importe quel autre paradis fiscal. Vous savez que l'argent, en réalité, n'existe que, virtuellement d'ailleurs, dans les comptes des banques, et des banques qui sont celles de la monnaie qui est utilisée. C'est-à-dire que le dollar, en dehors des billets de banque physiques qui peuvent se déplacer, mais c'est tout à fait résiduel aujourd'hui, les dollars n'existent que dans les comptes des banques aux États-Unis qui sont référencés à la Fed. Les euros n'existent que dans les banques qui sont les sièges sont dans la zone euro et qui sont inscrites dans les registres de la BCE. Donc un paradis fiscal, coupez-lui l'électricité, il n'existe plus. C'est tout. Si on voulait délégitimer les paradis fiscaux, il suffirait sur le plan juridique de ne pas reconnaître les opérations juridiques ou financières qui seraient faites au travers de ces juridictions offshore. Donc les techniques, je dirais, elles seraient simples, en tout cas sur le plan des principes, elles seraient simples à concevoir. Le problème, c'est qu'effectivement, personne ne veut les voir mettre en œuvre. Je vous remercie.